Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, je reviens comme je l'annonçais tout à l'heure sur mon profil, en fait, Facebook. J'ai donc un thème d'information sur la Guinée, un thème politique, comme toujours d'ailleurs, chers compatriotes guinéens. Alors, le thème d'information, voilà. Et le suivant, Mamadi Doumbouya et son groupe sont des ethnocentristes, vivement un autre coup d'État militaire, cette fois-ci rationnel, comme nous l'avons vu au Niger avec le général Djibo. Je dis bien un coup d'État militaire, avec un militaire bien entendu, un patriote, un rationnel, un intelligent, celui-là qui aime effectivement les Guinéens, pour effectivement nous unir. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'est le thème d'information. Oui, écoutez, je voulais dire, je crois que vous connaissez ma position, et ma position, elle ne résulte pas de la passion, chers compatriotes guinéens, du rationnel, tout simplement. Du rationnel, du constat, des analyses politiques. Je dis bien, de la passion, non, chers compatriotes guinéens. Ceux-là qui le pensent, vous vous trompez. Ma position, elle est très claire. Il faut de la solution, il faut des solutions militaires. Il faut de la solution militaire. Il y a eu un premier coup d'État militaire, ça n'a pas marché. Un autre, ça n'a pas marché. Un autre, ça n'a pas marché. Je préfère que nous continuions ainsi, coup d'État après coup d'État, jusqu'à ce que nous tombons cette fois-ci sur, effectivement, le bon. Le bon, c'est-à-dire un militaire, patriote, rationnel, intelligent, effectivement, qui aime la Guinée, qui aime les Guinéens, n'est-ce pas? Qui aime la stabilité des Guinéens, n'est-ce pas? La stabilité dans le pays, donc dans l'intérêt de tous les Guinéens. Jusqu'à ce que nous, en fait, tombions sur un militaire, pareil. C'est cela. On a connu, il y a eu dans d'autres pays, où il y a eu aussi beaucoup de coups d'État militaires, n'est-ce pas? Un, deux, trois, quatre, jusqu'à cinq. Et après, aujourd'hui, dans ces pays, il y a la stabilité politique. Ces pays suivent aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs démocratiques. Ces pays, dans ces pays aujourd'hui, la loi au-dessous de tout le monde. N'est-ce pas? Au-dessous de tout le monde. Il n'y a pas une ethnie qui se dit, bon, écoutez, nous sommes les supérieurs, nous sommes les meilleurs, c'est nous qui connaissons la politique, c'est nous qui dirigeons. Les autres, non. Non, dans ces pays, ils ont dépassé ce stade-là. Grâce à qui? Grâce aux militaires patriotes. Coup d'État militaire rationnel, chers compatriotes guinéens. Bien sûr. On avait l'espoir quand Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, effectivement, l'année dernière. En fait, d'espoir. Moi, particulièrement, cher compatriote guinéen, je le croyais sérieusement, après avoir renversé Alpha Condé, ce fou politicien, cet homme Alpha Condé que nous connaissons, qui n'était qu'un faux, qui a totalement formé sa personnalité sur la fausseté. Voilà, un monsieur qui vient, Mamadi Doumbouya, qui renverse cet homme-là. Alpha Condé, vous l'avez vu, pendant 10 ans, 11 ans, il a massacré non seulement la politique, il a massacré l'économie guinéenne, il a massacré les citoyens, tué, presque à bout touchant avec les armes, avec sa milice politique ethnocentriste. Mamadi Doumbouya vient, il renverse ce monsieur, et qu'est-ce qu'il fait? C'est suivre, s'il vous plaît, la même méthode de travail. L'ethnocentrisme. Alpha Condé avait également son idéal, tout sauf les peut le pouvoir, tout sauf un citoyen peut le pouvoir. Chers compatriotes guinéens, ne tournons pas autour du pot, je me bats pour l'unité de toute la Guinée, je ne me bats pas pour qu'un citoyen peut le soit au pouvoir, je me bats pour que la loi soit au-dessus de tout le monde. N'est-ce pas que celui-là qui doit arriver au pouvoir, que cela soit, se fasse à travers des élections libres et transparentes. En mettant en place une structure politique solide et consolidée, soutenant une constitution valable. C'est mon objectif, chers compatriotes guinéens, arriver au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Et tout ça, dans une situation garantie par les structures politiques solides et consolidées. Parce qu'il faut ça pour garantir la constitution. Ma lutte, c'est cela. Je ne me bats pas pour qu'un citoyen malinqué, Peul, Soussou, Thomas Guerzé qui s'y arrive au pouvoir. Non, chers compatriotes guinéens. Mais je me battrai aussi quand il y a cette situation dans laquelle une ethnie se dit que l'autre ne peut pas arriver au pouvoir. Chers compatriotes guinéens, c'est inacceptable.
Et Mamadi Doumbouya, comme Alpha Condé, c'est le même idéal. Les peuls, un peul ne doit pas arriver au pouvoir. Parce qu'ils se disent que seuls les malinqués, chers compatriotes guinéens, savent la politique, ou disons, sont faits pour la politique. Eux doivent gouverner. Que les peuls ne doivent pas gouverner, chers compatriotes guinéens. Tout sauf les peuls. C'est inacceptable, chers compatriotes guinéens. Oui, ils le disent très clairement, ils le disent tous, Mamadi Doumbouya, tout son groupe, partout, ils le disent. Peut-être certains ne l'iront pas ostensiblement pour que nous puissions les entendre, mais c'est ça dans les coulisses, dans les maisons, partout, ils le disent ici. Le peuple, il a l'économie, il a l'argent, pour quelle raison allons-nous leur permettre également de parler de la politique ou en fait d'utiliser la politique comme autre activité à part l'économie, chers compatriotes guinéens? Parce qu'avec cela, on ne sera jamais dans la stabilité politique, chers compatriotes guinéens. Jamais. On ne sera jamais dans la stabilité politique. Et si on n'est pas dans la stabilité politique, on ne va jamais réaliser l'objectif commun de tous les Guinéens. Tout ce qu'ils font actuellement, Mamadi Doumbouya, vous l'avez vu, Alpha Condé faisait la même chose. N'est-ce pas, de la mamaya autour des petits trucs, inauguration de pont, inauguration de telle maison, construction d'une école primaire, par-ci, par-là. C'est de la mamaya, parce qu'avec ça, on n'atteindra jamais, jamais l'objectif commun de tous les Guinéens, chers compatriotes guinéens. On a Mamadi Doumbouya, un monsieur qui n'a pas atteint le lycée, chers compatriotes guinéens. Donc il est nul, il n'a absolument rien dans sa tête, n'est-ce pas? Et quand on n'a rien dans sa tête, n'est-ce pas, on arrive au pouvoir. Grâce aux armes, on se fait entourer par des gens intelligents. On a vu ça dans d'autres pays. Au Burkina Faso, on a un militaire au pouvoir. Mais allez-y voir comment ce monsieur se fait entourer. Allez-y, en fait, au Niger. Au Niger, il y a eu le général Gbagbo qui a permis au Niger, effectivement, de remettre les rails des valeurs démocratiques, plutôt le train des valeurs démocratiques sur les rails, grâce à un général Gbagbo au Niger. Ce monsieur s'était fait entourer par des gens intelligents, des patriotes, des gens honnêtes. En Guinée, on a un Mamadi Doumbouya, non seulement il ne connaît absolument rien, il se fait entourer par des gens qui ne connaissent absolument rien, des ethnocentristes, des aigris, des gens sans foi. Comment voulez-vous dans ce cas qu'on puisse refonder l'État guinéen? Comment voulez-vous dans ce cas que nous puissions avoir de véritables structures politiques solides et consolidées? Jamais, chers compatriotes guinéens. Il y aura tous des mécontents, la majorité mécontente. C'est ce que vous voulez? Une minorité qui s'impose sur la majorité. On n'ira nulle part, chers compatriotes guinéens. Arrêtez. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ce qui se passe en Guinée, ça ne peut pas marcher. On a des ethnos au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir, Mamadi Doumbouya et ses hommes. Ils se sont identifiés tout de suite. C'est Koutoué. Ce sont les enfants, disons, de ces dignitaires, de ces bourreaux au temps de ces Koutoué, qui sont aujourd'hui, effectivement, qui sont là, qui veulent requalifier la Guinée. Ou de toute façon, un retour donc à la Sékou-Touré, à cette doctrine de Sékou-Touré, chers compatriotes guinéens, et qui signifie le peuple, citoyen peuple, parce que moi je ne parle pas peuple, mais un citoyen peuple. Un peuple, un citoyen, il est guinéen. Pour quelle raison, si il a la capacité, n'est-ce pas, dans une démocratie électorale, pour quelle raison ne peut-il pas arriver au pouvoir, chers compatriotes guinéens? Je dis, je le répète, je ne défends pas un citoyen peuple pour arriver au pouvoir, n'est-ce pas? Mais je défends une situation, n'est-ce pas, démocratique, dans laquelle tout citoyen guinéen, que vous soyez Soussou, Peul, Malinké, Guersé ou autre, vous puissiez également démontrer vos capacités. Hein? Et si vous êtes politicien, un leader politique, c'est arrivé au pouvoir. Chers compatriotes guinéens, vous remarquez ce qui se passe actuellement. Cette dernière Diallo a été, en fait, prié de quitter en fait le domaine qu'il occupait depuis très longtemps. D'accord. Nous ne discutons pas ce fait. On dit que c'est un domaine qui appartient à l'État. N'est-ce pas? Mais non, une junte qui a dit que finalement, en Guinée, la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Alors, s'il faut élaborer ainsi, je crois qu'il faut se respecter. Gbagbo, en fait, au Niger, il respectait les leaders politiques. Au Burkina Faso, on respecte les leaders politiques. Même au Mali, où il y a un peu de pagaille, on respecte les leaders politiques, chers compatriotes guinéens. Respectez ce Dalein Diallo. Ce Dalein Diallo, il y a eu 2-3 élections générales en Guinée. Il devait gagner les élections. De toute façon, il est venu en deuxième position.
respecté pour cela, vous le respectez. Mamadou Doumbouya n'a aucun respect pour Sidiane Diallo, pour les leaders politiques ou Sidia Touré, absolument rien, surtout pour Sidiane Diallo, parce que tout simplement, il ne peut pas le respecter. Parce que Sidiane Diallo est un leader politique, il a un corps électoral important, il ne le respecte pas parce qu'il dit c'est un peu. C'est un peu. Mais c'est cela. C'est cela. Avant qu'ils ne soient dans l'armée, il y a déjà cette doctrine dans leur tête, n'est-ce pas, transmise par les parents ethnocentristes, chers compatriotes guinéens. Mais là, ils sont dans l'armée, ils arrivent au pouvoir, et c'est cela. Ils n'ont même pas honte, ils ne sont pas intelligents. Regardez comment ça se passe, chers compatriotes guinéens. C'est Sédalan Diallo, on le fait quitter, n'est-ce pas, sur son terrain, et tout de suite et rapidement, comme s'il n'y a pas d'autres préoccupations, n'est-ce pas? Il faut tout faire, alors faire quelque chose, justifier l'action, chers compatriotes guinéens. Ils vont construire sur ce terrain une école primaire. Et ce mois d'avril, ils vont commencer, chers compatriotes guinéens. Oui, il faut le faire, parce que Sidiane Diallo, pour vous dire combien de fois, l'homme est important, c'est un leader politique, il a un corps électoral important. Maintenant, ils vont tout maintenant braquer sur Sidiane Diallo, comme Alpha Condé l'a fait. Pendant 11 ans, il a tout braqué sur Sidiane Diallo. Tous ses efforts sur Sidiane Diallo, finalement, le problème c'est quoi? Il n'a rien réalisé sur le terrain. Et Mamadou Doumbouya commence, parce que Sidiane Diallo ne va pas baisser les bras. Nous sommes là pour le soutenir. Soutenir le processus démocratique, soutenir Sidiane Diallo, 100%, chers compatriotes guinéens. 100%. Si Mamadou Doumbouya doit ses efforts à 100%, tout centré sur Sidiane Diallo, qui continue à le faire. Chers compatriotes guinéens, je ne veux pas être long. La solution, je vous l'ai dit, la solution, il n'y a pas autre chose. J'entends les gens parler d'assises nationales, dialogue et tant d'autres, chers compatriotes guinéens. Mais écoutez, ça ne marchera pas, vous le savez très bien. Ça ne marchera pas dans la mesure où on a Mamadou Doumbouya et ses hommes, comme autant d'Alpha Condé, dans la tête, c'est nous qui gouvernons ici, nous les malinqués qui gouvernons. Tant qu'il y a ça, aucune négociation, aucun dialogue ne pourra marcher jamais, chers compatriotes guinéens. Absolument non. On se fatigue pour rien. J'entends Baouri, je le respecte. C'est vrai, je le respecte, mais souvent, il commet des erreurs. N'est-ce pas? Il commet des erreurs. Baouri, je m'adresse à vous. Baouri, écoutez, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, il y a Alpha Boubacar, il y a Tchangel et tant d'autres qui étaient tous des membres de l'UFDG, qui aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, il ne peut pas dire qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas dire que vous ne comprenez pas. Nous nous battons pour un processus démocratique. Mais essayez de réfléchir, Baouri. Parce que les Gawal, je ne vais pas parler de Gawal. Je m'adresse à Baouri, qui est quand même intelligent. Baouri, vous incitez pour qu'on puisse aller au dialogue, assise nationale. Baouri, vous devez comprendre que cela ne marchera pas parce que ceux-là qui le réclament, qui demandent, qui vous demandent de le faire, n'est-ce pas? Ils sont ethnocentristes. Ils n'aiment pas les peuples. Ils veulent seulement les malinqués au pouvoir. Baouri, comprenez ça une fois pour toutes. Battons-nous pour que la Guinée change, chers compatriotes guinéens. Quant au Gawal, Ousmane Gawal Diallo, Alpha Boubacar, Tchangel et tant d'autres qui étaient dans l'UFDG, qui sont des traîtres contre d'abord le parti, traîtres contre tous ces gens qui ont été massacrés par Alpha Condé. Des milliers de gens ont été tués à bout touchant, à bout portant par Alpha Condé, par la milice ethnocentrique de Alpha Condé. Ces gens, Ousmane Gawal Diallo, Tchangel, Alpha Boubacar, ils ont oublié tout cela. Ils ont oublié tout cela. Et ils ne savent pas une chose que Mamadou Doumbouya, comme Alpha Condé l'a fait, il va utiliser des citoyens peuls, tout simplement, pour justifier telle action, telle autre argumentation. Vous voyez, on dit que je suis ethnocentriste, mais je travaille avec les peuples. C'est cela. Mais pourquoi pas un citoyen peul, s'il a la capacité, à travers des élections libres et transparentes, ne peut pas arriver au pouvoir? Pour quelle raison? Alors, Ousmane Gawal Diallo, cela ne vous dit absolument rien avec votre traîtrise, Ousmane Gawal Diallo. On dit que vous, quand Ousmane Gawal Diallo, vous aurez la capacité, électoralement parlant, n'est-ce pas, disons, intellectuellement parlant, de gagner les élections, mais vous avez
des gens qui disent que non, vous, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir à cause de votre identité culturelle. Ousmane Gawal Diallo, vous ne pouvez pas me dire que maintenant vous ne comprenez pas cela, de la façon comment on poursuit ce Dalin Diallo. Puisque vous êtes des traîtres, hein, c'est tous des traîtres, c'est vrai, des traîtres. Vous ne pouvez pas le comprendre. Partout dans le monde, je n'ai pas vu ça. En Belgique, ici, écoutez, il y a la partie francophone, néerlandophone. N'est-ce pas? Écoutez, ce sont des ethnies également. Entre les francophones, il n'y a pas tellement de communication. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pays bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi au-dessous de tout le monde. Ousmane Gawal Diallo, vous ne vous battez pas pour cela. N'est-ce pas? Vous ne vous battez pas pour cela. Traître que vous êtes, cher Comptoguinien. Alors, ce que moi je dis, comme je dis, la solution, il n'y a pas d'autre chose, c'est la solution militaire. Il faut l'armée, il faut encore des militaires. Il faut cela. Chers compatriotes guinéens, si vous me suivez, vous qui êtes des militaires, vous êtes rationnels, intelligents, vous aimez la Guinée, vous aimez la stabilité, n'est-ce pas? La stabilité, chers compatriotes guinéens. Vous sortez de votre cour, vous causez avec tout le monde, avec le rire, avec les peuls, avec les soussous, avec les kissis, avec les thomas et tout le monde. Vous voulez cela? Vous voulez une telle ambiance, cher Comptoir Guinéen? Il faut écarter Mamadou Doumbouya. Il faut l'écarter. Par toutes les manières. Vous l'écartez et vous venez pour effectivement donner à la Guinée de véritables structures politiques. La loi au-dessous de tout le monde, cher Comptoir Guinéen. Mais si nous avons, comme je l'ai toujours dit, nous avons une structure politique solide et consolidée, qui est là pour garantir la constitution. Quelle est cette lutte solidaire politique? Qu'il soit ethnocentriste, n'est-ce pas, fasciste, n'est-ce pas? Comment pourra-t-il matérialiser son idéal, cette doctrine ethnocentriste, fasciste une fois au pouvoir, du moment que nous sommes à faire, nous avons affaire aux structures politiques solides et consolidées, chers compatriotes guinéens? Battons-nous pour cela. Alors, je suis sûr à 100%, je vous le dis, sûr à 100% qu'il y a ce militaire qui m'écoute, n'est-ce pas? Il ne vient pas hors de la Guinée, il est là à Conakry, il est là avec Mamadou Doumbouya, tous vous êtes là, renversez cet homme et essayez de rectifier le tir. La Guinée a besoin de la vérité, la Guinée a besoin en fait de respect, chers compatriotes guinéens. C'est Nabil Kamara de Public 7, merci pour l'écoute, bonne soirée.